Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est que pour nous et personne d'autre, c'est définitif. Sauf tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. Seule condition, comprendre quelque chose dans la langue de Molière. Si vous êtes capable, vous allez vraiment apprécier. C'est l'endroit où on doit s'arrêter sur YouTube. Vous pouvez aller ailleurs aussi. Mais pour comprendre les changements climatiques, le grand minimum solaire, l'irrationalité, de l'ensemble de la population et l'endoctrinement de la totalité des médias d'information, c'est ici qu'on veut tout savoir et comprendre. Chers amis, c'est dimanche. Bon dimanche, c'est le 23 juin 2019, 5h9 du Québec. Beaucoup beaucoup de commentaires suite à, à ma première à mon premier clip sur l'imitation de Jésus-Christ et notre exploration du monde bon, de la spiritualité, vraiment positif. On continue dans quelques. dans quelques heures, je vous reviendrai avec le deuxième chapitre de ce petit livre, vraiment essentiel pour tous. C'est vraiment, ça n'a rien de aucun lien avec l'Église catholique. J'aimerais vous le rappeler, la spiritualité n'appartient pas à des entités euh, créées par l'homme comme les églises ou les mosquées ou les synagogues tous des systèmes pour garder un contrôle, des systèmes qui appartiennent à l'élite et qui sont contrôlés par l'élite. Jésus est un être libre qu'on a utilisé pour asseoir son pouvoir et aussi remplir ses coffres. Deuxième chapitre qu'on ira voir ensemble plus tard, juste pour vous donner un aperçu de la justesse et de la profondeur de ce petit bouquin qui, selon, et je l'avais oublié, et c'est vrai, euh, un ami euh, qui m'a envoyé un, un commentaire sur le, le, le premier clip qu'on a fait que j'ai fait et qui me rappelait que Mère Teresa avait ce livre-là avec elle tout le temps c'était son livre euh, de chevet et franchement c'est le plus étonnant c'est que ça vienne d'un auteur qui est complètement inconnu ça vous donne encore plus vraiment ça nous démontre à, à quel point celui qui a écrit ça Écrit ça, il croyait vraiment, il n'a pas voulu sortir de l'anonymat pour justement alimenter sa <coughs> vanité. C'est incroyable. Deuxième chapitre, du peu d'estime que l'on doit avoir de soi-même. Vous allez vraiment tout comprendre quand on va en reparler. Pour l'instant, on va aller mettre le nez dans le monde des abeilles, hein, ces fameuses abeilles qui, selon tout ce qu'on connaît de la science, sont essentielles apparemment pour... Euh, Hein, la pollinisation, avoir des fruits, euh, des arbres, des légumes. Et c'est un, un insecte qu'on utilise aussi pour vraiment dramatiser euh, la situation euh, environnementale avec les pesticides, avec euh, euh, toutes sortes d'autres euh, méthodes de, de production agricole qu'on utilise, qui mettent en péril apparemment les colonies d'abeilles dans le monde. Mais à chaque année, on arrive avec des drames. Comme là, on est, dans le, euh, on est aux États-Unis et on apprend que l'hiver précédent qui vient de passer, non, le dernier hiver, a euh, éliminé 37% des colonies d'abeilles. Les hivers aussi sont très rigoureux. Il n'y a pas que les pesticides qui jouent euh, dans la stabilité et la population des abeilles, mais le climat aussi. On va aller voir ça ensemble. La rumeur sur les abeilles n'est pas bonne. Cet hiver a vu l'une des plus grandes disparitions d'abeilles domestiques jamais enregistrées aux États-Unis. 37 des colonies d'abeilles aménagées ont été détruites d'octobre 2018 à avril 2019. Le nouveau rapport montre que le taux de perte de colonies d'abeilles mellifères. A été supérieure de près de 9 cet hiver par rapport à la perte moyenne en hiver. Ces résultats sont très préoccupants car les fortes pertes hivernales frappent un secteur qui souffre déjà d'une décennie de fortes pertes hivernales, a déclaré Dennis Van Engelsor, euh, Engelsdorp, professeur associé d'entomologie dans le Maryland et président de Be Informed Partnership. Les experts en abeilles de l'Université du Maryland euh, de l'université. Pardon, les allergies commencent. Auburn et d'autres collèges ont tiré leurs conclusions après avoir sondé 4700 apiculteurs à travers les États-Unis, représentant plus de 300 000 colonies au cours des 13 dernières années. Bien que leur recherche n'ait pas examiné la cause de cet effet, il existe une longue liste de facteurs connus pour être une mauvaise nouvelle pour les populations d'abeilles. Le premier concerne les agents pathogènes et les parasites sur lesquels les humains exercent un contrôle limité. Et les deux autres facteurs sont notre responsabilité de l'agriculture industrielle. À savoir l'utilisation de pesticides et la destruction de l'habitat. Il y a une vidéo, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Les préoccupations concernant les abeilles du monde ont commencé à augmenter en 2006 lorsque les scientifiques ont remarqué que de nombreuses ruches connaissent ce que l'on appelle maintenant le trouble d'effondrement des colonies. Apparemment sorties de nulle part, la majorité des abeilles ouvrières abandonneraient leur reine et abandonneraient leur colonie, par ailleurs en bonne santé. Curieusement, le problème euh, de cet effondrement des colonies a diminué au cours des dernières années, cependant les abeilles luttent toujours contre l'intensification de l'agriculture dans le monde. Ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour les petites créatures animées ou les amateurs de miel, les insectes y compris les abeilles à miel jouent un rôle fondamental dans la production alimentaire. Certaines cultures comme les bleuets et les cerises dépendent presque totalement des abeilles pour la pollinisation. En effet, les amandes demandent entièrement dépendent entièrement des abeilles pour la pollinisation pendant la saison de floraison. Il n'existe pas de solution simple à ces problèmes épineux. Cela dit, l'équipe espère encourager la poursuite des recherches sur le rôle des conditions météorologiques et sur la surcharge de travail liée aux pertes de colonies d'abeilles mellifères, afin de résoudre le problème avant qu'il ne soit trop tard. En regardant le tableau général et les tendances sur dix ans, il est déconcertant de constater des pertes élevées après plus d'une décennie d'études et de travail assez intense pour essayer de comprendre et de réduire les pertes de ces colonies, ajouté Geoffrey euh, Williams, ou Jeffrey Williams, professeur adjoint en entomologie de l'Université d'Auburn et co-auteur de l'auteur. Nous ne semblons pas faire de progrès particulièrement important pour réduire les pertes globales. Un bon documentaire sur l'effondrement de la population des abeilles s'appelle Plus que du miel apparemment. Donc, je vous suggère d'aller voir ça et je vous laisserai ce lien dans la boîte de description. Depuis des années, on a des pertes et des pertes. À chaque année, on a l'impression que c'est la fin des abeilles. Donc, il semble il y en a encore beaucoup. Quel est le, le niveau de panique qu'on devrait avoir Ça, hein, c'est difficile avec les, la propagande qu'on a, mais c'est sûrement un problème euh, pour l'avenir. Jusqu'où jusqu on va se rendre avec les abeilles, c'est tout un mystère.